Dans le moment où on a parlé à la, il y a un mouvement qui paraît pour faire dans l'arrière, il est possible pour même bagaille qui arrive sous le chala, côté policier ou t'a tiré, yon sous l'autre arrivé encore. D'après ça, en pile information qui a circulé, DGPNH la mandé soit à bri de CPJ contre carré, il y a un mouvement. Plusieurs policiers t'a annoncé pour assouer journée jeudi, côté n'a parlé à la, qui c'est 25 janvier 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis content ensemble avec vous dans le SA. Présenter une dernière information. Restez là, nous c'est réseau information Sofia TV 83. Mais toute nouvelle là pour journée aujourd'hui. Bandi Axam touye environ 6 policiers et puis blessé des lots. La nan Yakoula Tibonite nan kade yon attaque vidéo a choquant. Côté policier yo tap moui Axam mette yo souvent yo. Et situation ça t'est arrivé même bagay. Axam policier Timaka yo te fait dans la boule. Yo fin touye policier yo et puis mette zam yo souvent yo. Kose sa choque. Que pays a commissariat Gonaïve la tête en bas, c'est un bakop qui t'a sorti Gonaïve et qui t'a rentré dans sa vie et qui a porté la main fort, n'est pas tendu, yo pas ouais, yo crasé plus passer 6 policiers pourquoi il là vu la tête en bas, veille en bas, bagaille après le chavirer. Si toutefois DGA pas prend disposition pour freiner zak banditi sa yo ou bien encore déployer l'armée de là, bagaille pral dégénérer. Plus information ak détail c'est qu'on y a là, restez ensemble avec nous, n'a continuer informer point par point dans l'actualité politique là, parce que nèg yo attaqué commissariat li en cours là pendant plusieurs fois dans la journée hein? Au moins 3 fois nèg yo attaqué commissariat. Eh ben ça crivé c'est que la police a tenté répliquer. Eh bien, pendant ma palaven là, il y a 6 policiers qui ont bien ensemble. Pendant ma palaven là, il y a un gros événement qui déroulé, ou qui a déroulé toujours, dans la commune Liancourt depuis le matin, côté bandit et Zamio, attaqué les gens qui ont circulé sur la route Liancourt. Eh bien, bagala viré en catastrophe. Qui bilan que nous gagnons jusqu'à présent? Gen 2 policiers qui mouri. Gen 4 bandits qui t'a mouri. Pour qui ça nous dit qui t'a mouri? 2 policiers qui mouri yo, bandits ça vient yo tout aller à cadavre policier. Et bandits yo gen 3 armes nan men yo que yo prend nan men policiers qui yo mouri que yo tué yo. Yon nan zam sa yo c'est zam qui lance gaz lacrymogène nan. Et qui ont galil avec un autre zam que pas tellement bien ne but de modèle zam nan de type zam ni. Ensuite monsieur bandio gen 2 backup la police tan men yo machine commissariat Liancourt monsieur al avec lui et gen yon l'autre backup qui c'est yon machine commissariat Saint-Maclan bandio allé à clé de la rivière piti. Monsieur traversé avec tous les deux machines qui actuellement dans base ça vient et monsieur gagné cadavre 2 policiers dans méo avec tout uniforme yo tout zam yo nèg yo entré avec yo gagné 2 policiers qui blessé yon là dedans grièvement et gagné 3 policiers qui a cherché jusqu'à présent yo poko wè yo. Donc 3 policiers ça c'est 3 policiers qui t'a pour le moment porté disparu. Bilan lou, 2 policiers mouri, bandio allé avec cadavio et cadavio konye a yo nan base Grand Griffe Savien. Genyen 4 lot cadavre, yo di se cadavre bandio. Nou pa gen nou yo, nou pa konne ki es yo ye, mais nou konne ke genyen 4 lot moun ki mouri ki ta assimilé ak bandi et gen 2 policiers que bandi yo ala avec yo. Tous les 6 cadavres sa yo nan men bandi yo. Et est-ce que nan 3 policiers qui disparaissent yo, est-ce que ta genye nan 4 autres cadavres qui pas identifié yo, ta genye policiers là dedans autour et qui était en civil, nous pas connaît. Mais n'a continuer fouiller information pour vous pour nous connaître exactement l'autre 4 cadavres qui est sur eux, si c'est bandit
qui non bandit. Est-ce que c'est bandit ça vient? Est-ce que c'est nèg ça vient? Est-ce que c'est nèg sur l'autre côté qui vini ça vient qui mouri jodi a dans affrontement qui te gagné entre bandit avec la police. N'a précisé que bandit c'est pas commissariat Liankoua qui a été attaqué. Monsieur yo c'est dans zone Moho Liankou ak dans zone Pont Rouge que yo attaqué policier yo. Est-ce que c'est policier qui était dans backup qui était dans zone là monsieur attaqué? Est-ce que c'est policier qui t'a vinn porter renfort by policier Liankou yo qui était déjà subi un premier attaque dans zone là avec deux bandits ça vient yo? De toute façon, je dis à bagala était très compliqué pour policier yo et policier qui gain la vie sauve c'est grâce à la population parce que policier yo en pile la dote obligé courir pour capable sauver pour yo gain qui prend tête monde pour yo c'est moun dans zone là qui encadrer yo mette en dans caille montrer route pour yo passer pour être capable sauver pour yo dans courir que gain trois policiers jusqu'à présent qui peuvent retourner dans base qui peuvent retourner dans commissariat y a cherché yo yo pas répondre à l'appel. Donc deux policiers qui mouri yo, monsieur Savien yo tout rentré dans base avec deux monsieur sa yo et yo gen deux machines la police nan men yo, yo traversé rivière là avec lui parce que rivière après c'est pas gen de la donne et dans zone côté nèg yo passé a, rivière plate, nèg yo fait route, yo traversé avec tous les deux machines sa yo aller dans base Savien ak yo. Gagné yon kante, la police dit que li e saisi nan men monsieur. Kante sa, c'est un kante qui était chargé avec cabrit que moun tap sorti dans zone Verrette ou bien La Chapelle pour tal vendre pour sonder. Monsieur bandi sa vient ou te prend kante sa tout cabrit yo. Nèg yo prend cabrit yo entre dans base sa vient cabrit yo et kante sa yo tap pral utiliser pour tal craser en barricade. Les nèg yo rivé puis al kaze barricade la yo di yo mais la police nèg yo couri quitter machine nan et la police récupéré kante sa mais c'est pas un kante comme quoi c'était nèg yo te vin avèl c'est un kante qui était chargé avec cabrit moun t'a pral vann nèg yo kidnapper machine nan yo prend tout cabrit yo et yo t'a utilisé machine nan pour t'al craser un barricade qui yo te mette pour yo pas capable yo même passer donc bilan li extrêmement lourd. Deux policiers mouri et cadavio nan men base grand griffe sa vient nan moment n'a parlé là gen quatre lots moun ki mouri ki ta bandi mais interrogation parce que gen trois policiers jusqu'à présent qui poko répondre à appel yo pa konnen côté yo donc situation très compliquée jouk nan moment n'a parlé là pas gen personne moun ki konnen sa k'ap passé la police pas qu'à retourner dans zone là malgré gagner deux backup et qui sorti Port-au-Prince qui vini dans commune dans commissariat dans sous-commissariat et Mopé là alors commissariat et qui n'a pas patrouille là nèg yo là mais pas venir avec aucun matériel blindé yo vini avec deux pick-up Zoreke donc machine ça yo et pas machine blindé c'est pas machine qui ca aller dans opération gagné direction départementale police là qui mettait dehors yon communiqué et nan communiqué ça la police fait connait que yo était nan laissé frapper jodia avec bandio donc dans laissé frapper ça d'après ça yo dit gagné et 6 bandits yo dit yo même qui mouri. Mais qui sa note la police la dit? Direction départementale police la Tibonite. Deux policiers blessés. 6 bandits dans gang sa vie mouri dans une attaque bandit contre commissariat Liankou. Commissariat Liankou subit 3 attaques bandit journée mercredi 25 janvier 2023. Ça c'est note la police là que n'a pli pour là. La police dit premier attaque la fête bonnet dans matin à 7h dans localité Moho. 3 bandits tombés, yo replié ak kadavyo nan base Savien, bataille sa te dire 1h45. D'après la police toujours, deuxième attaque là,
li fait à 10 heures. Yo prend yon lot échec. Yo couri quitter, yo kante, yo te la donne, machine ça sous contrôle la police, yo replie encore bataille ça te dure 20 minutes. Kante ça moi de la police a parlé de lia, c'est yon kante qui était chargé avec cabrit que moun ta pral vendre pour sonder. Monsieur Bandi yo prend tout cabrit yo, yo rentre dans base ça vient ak yo, nèg yo volé cabrit yo et puis yo la gué machine nan. D'après la police, troisième attaque la fait à 11h18 ak plus renfort. Yo attaqué sous deux fronts. Bataille ça a duré 2h26. Gen deux policiers qui blessés, trois bandits tombés encore. La police perdit deux machines pendant policiers yo tap évacué confrère. Donc la police dit perdu. L'autre dit perdu, li ont gens prêté à équivoque, c'est pas perdu. Bandi yo prend deux machines la police. Donc bandi yo prend deux backup la police. Premier élément yo rapporté, ça c'est note que la police mettait dehors que n'a baou là. Premier élément yo rapporté que balle qui blessé policier yo c'est à calibre 9 mm que moun nan population li an kou ka papier bandi yo t'a tiré policier nan dos. Là gon problème. Information que nous gagnons, c'est que c'est population qui sauvé policier qui fait que reste policier qui là yo qui pas mourir yo pas victime. C'est population qui se réunit dans caille, passer à qui côté pour passer, prend mon ak yo qui fait que sauver la vie. Donc question que c'est moun nan population qui tire policier yo nan dos. Donc là gon ti problème. Cependant, n'a dit que gagnon policier, ça qui plus grave là, monsieur couché l'hôpital, non pas qu'à dire dans quel hôpital, monsieur recevra une balle dans dos qui percé, qui même percé l'estomac. Donc c'est monsieur qui pique grave. Il y a un autre qui prend une balle dans l'épaule. Donc direction départementale là, et la police, la tribunette a préparé une contre-offensive pour déloger bandits savienyo dans un temps qui pas trop long. Ça c'est notre département et police départementale, la tribunette là mettez dehors. La police promet l'autre commissariat sous toute évolution. Alors, la police promet l'autre communication sous toute évolution situation dans Liankou. Direction départementale la félicité, courage et détermination policière dans la lutte contre bandits dans la Tibonite. Population a toujours rappelé le sacrifice nous avons fait pour nous permettre de vivre libre et déplacer tout côté où besoin d'aller. Gonaïve, 25 janvier 2023. Service départemental communication à la Tibonite. Ça, c'est version de la police. Là. Mais nous-mêmes, enquête que nous menons, information que nous joignons, et nous avons un pile photo à l'appui, nous avons un pile photo qui vient joindre nous. Donc, deux mounes qui collaborent avec nous, qui voyaient photo de nous. Donc, photo ça, nous avons là, deux policiers qui mourent. Ak tout uniforme sou yo, ak tout zam yo, et bandi sa vie yo ale a kadavyo. Genyen deux policiers qui blessés, et gen trois policiers qui poko répondre à l'appel. Gen quatre autres cadavres que monsieur bandi a la kyo. Est-ce que c'est bandi qui mouri? Nous pas konnen. N'ap cherché konnen est-ce que c'est bandi yo et qui non bandi sa yo. Nous gen non policiers yo, mais nous pas gen non complet yo. Et nous ne pouvons pas vouloir bailler nos policiers qui sont victimes. Mais nous avons non yo et nous avons les policiers qui mourent, nous avons non yo et policiers qui blessés, nous avons non yo et policiers qui ne peuvent pas rentrer, nous avons quelques noms parmi toi. Yo. Donc, situation extrêmement grave, situation extrêmement difficile. Radio Pyramide FM fait le devoir pour qu'elle soit capable d'informer la population de ce qui a passé jeudi à dans et commune Liankou côté depuis grand matin monsieur Bas Grand Griff Savien yo monsieur yo débarqué dans et route Liankou dans zone Moro et côté monsieur yo et ouvert coup d'zam nèg yo volé yo déchapillé yo et la police qui t'a essayé et n'ta ka di mettre la paix. Eh bien, la police pas arrivé mettre la paix, au contraire policier victime et situation poko clair dans moment n'a parlé là pas personne monde qui capable aller dans zone côté affrontement ou te fait là
parce que monsieur dit y a tourné monsieur ça vient yo nèg yo font déplacer yo dit y a retourné encore donc ça veut dire nous pas capable ba ou tout détail ça gagne actuellement la connier dans zone là seul ça nous connaît c'est que gagne deux backup gagne deux backup Simo ou bien USGPN pas tout détail de uniforme nèg yo et de nan ki unité qui est sorti mais nous connaît que gagne deux Zorikien qui chargé avec policiers qui sorti Port-au-Prince qui rivé là on côté au passé en tout cas il rivé là monsieur pourquoi ka aller dans zone là parce que pas gagne qui clair d'ailleurs il commence fait noir la très difficile pour monsieur tal dans zone là il pas gagne spotlight il pas connaît côté bandi yoyé pas croire que il ta prudent pour policiers qui déjà victime ça va aller là ça pas gagne aucun contrôle ça pas gagne aucun garantie que côté pour mettre pied yo li safe donc encore une fois la police continue à compter cadavre la police continue à victime et bandi yo yo même yo continue à faire la loi yo continue à simer la terre gagne yon char blindé qui était dans Kafou Pay là la police t'a essayé aller ak char ça dans zone lien coup pour t'al porter policier yo secours pour t'al bay au backup char tout en panne donc char pas gétant arrivé dit tout en panne est-ce que autorité Port-au-Prince yo qui gen de char qui pas en opération qu'on y a est-ce que pas ta capable venir avec en deux blindés en trois blindés pour ta vinn supporter policier la Tibonite yo pour ta au moins permettre que nèg yo faire une opération en règle pour ta tout fini avec base gang ça vient comme pas gen volonté la caille autorité surtout autorité centrale yo yo pas faire ça mais situation qu'a développé là c'est pas une action qui fait c'est pas grand bagage qui fait et mais la vinn plus grave donc jodi an ça fait troisième policier que bandi ça vient yo touyer c'est yo touyer à main yo dans opération que t'as fait déjà dans deux ou trois opérations que la police essaie à mener dans base grand griffe la même dans ça vient t'ai un policier qui était blessé et qui t'a allé mourir sous cabane l'hôpital dans l'hôpital la paix dans l'hôpital Mibalea et jodi a monsieur yo tué deux policiers et yo tout allé avec cadavre yo tout prend zam qui dans main yo et yo tout prend machine policier yo t'a circulé donc en plus de en pile l'autre machine particulier que bandi sa yo te gen dans main yo jodi a monsieur gen deux backup la police dans main yo est-ce que situation ça pas pral révolter au moins conscience autorité nou yo autorité dans tête yo autorité principale yo direction générale police là CSPN roi Henri est-ce que pas gon bagaille qu'a fait jodi a après ça qui passé là dans la Tibonite là côté bandi yo montré que yo pas gen ken limite est-ce que pas gon bagaille qu'a fait pas oublier n'a redit ça encore ça vient pas liancou liancou pas ça vient si monsieur bandi au cadre traverser fleuve la Tibonite au traverser de l'eau pour venir imposer yo côté imposer là pour n'ta ka dit imposer même sur la police pour mettre la police en déroute et pour monsieur a victime policier dans situation ça qui ça bandi pas ka faire encore qui sa autorité nous représente? Qui sa CSPN nan vo? Qui sa autorité qui la yo représente? Si bandi yo, si yo même ka fait la loi, yo fait ça yo vle, yo retire la vie moun yo vle, même policier qui gen zam nan me yo, qui la pou bay pou la bay sou population en sécurité, yo pas en sécurité, yap mouri, qui sa bandi yo pa ka fait encore? Et là, monsieur, s'en est trop! S'en est trop! S'en est trop! Li pas possible sacrifier à la li pas possible li pas ka continuer comme ça monsieur li pas possible monsieur si n'a bay bandi au pays a bay bandi au pays a pour diriger li pas possible nou pas ka quitter police a mouri comme ça nou pas ka gen autorité dans pays a pour petit groupe vagabond pied à terre a fait ça fait là yo fait la loi
et puis personne moun pa ka di rien. Nous avons autorité dans le pays, nous avons quitté moun ap mouri, nous avons quitté bandi ap fè ça ou vle, li pa possible. Monsieur, li pa possible. Monsieur, si nous avons bay bandi au pays, bay bandi au pays, et puis dit tout moun, fouye tout, entre en bataille, et puis pour nous quitter bandi ap fè ça ou vle. Mais li pa possible, monsieur, li pa possible, li pa possible. Li pa possible.